naissent et meurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Générale. Tout citoyen étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sans pas répondre de l'abus de cette liberté dans les cadres déterminés par la loi. Let's go!